5 à l'écoute du journal de Christophe Charles et on en sait davantage ce matin sur les intentions du lycéen qui a ouvert le feu dans son établissement, c'était jeudi à Grasse. L'adolescent âgé de 16 ans vient de passer sa première nuit en prison, tout comme l'un de ses amis, complice présumé. Tous les deux ont été mis en examen hier soir. Le lycéen avait l'intention de tuer plusieurs camarades entre 8 et 14, le chiffre reste à confirmer. Un acte donc prémédité d'après ce qu'il a dit en garde à vue, le procureur de la République de Grasse, Fabienne Azzori. Il reconnaît, quasiment revendique, si j'ose dire, un dessein criminel très arrêté. Il souhaitait mettre un terme aux mauvaises relations, on va dire les choses comme il les présente, qu'il entretenait avec certains de ses camarades de classe. Il estimait que certaines personnes ne se comportaient pas comme il estimait qu'elles devaient se comporter. Parfois, le prenait à partie, encore une fois sur les réseaux sociaux. Il n'évoque pas lui-même le terme de harcèlement. Et il fait part de son insatisfaction au regard de ses choix musicaux notamment. Voilà, il dit que certains se moquaient de lui. Prudemment, on avait parlé, nous, de mésentente. Je parlerai aujourd'hui de mésentente et peut-être d'insatisfaction au regard du climat général de sa classe, peut-être du lycée aussi. Mais aucune des personnes blessées ne se trouve sur cette liste mentale qu'il avait établie. Fabienne Azzori, procureur de la République de Grasse, au micro du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel.